Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 28 mars, lundi 28 mars, au vendredi 1er avril 2022, par signe astrologique. Alors aujourd'hui, les cancers. Amis cancers, cette vidéo est pour vous. N'hésitez pas à regarder signe solaire, signe lunaire, pour avoir plus de messages. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle, faites preuve de discernement. Alors, nous allons prendre une carte de l'oracle des plumes pour voir quel message on a à nous délivrer, à vous délivrer, amis cancer. Deux cartes avec le téléma le normand pour voir quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner cette semaine. Et nous ferons un tirage avec le petit, le normand. Bien. Amis cancer, j'espère que vous allez bien. Voyons voir quelle plume vous avez à recevoir cette semaine du lundi 28 mars au vendredi 1er avril. La plume ocre. Alors, vous la voyez, la plume ocre. Voyons voir. C'est l'accomplissement, ami cancer. Le grand rendez-vous avec la destinée. Vous allez devoir vous engager. Cette plume vous encourage à sauter dans le train. Ne loupez pas le coche. Le chemin sera ponctué de défis. Mais pas d'embûche, vous allez pouvoir faire valoir tout ce que vous avez au fond de vous. Le rythme va être rapide, mais vous êtes soutenu par la terre grâce à des personnes de votre entourage, mais aussi par les cieux. Amis cancer, voilà ce message qui est délivré pour vous. Alors je la mets là, voilà. Voyons voir quelles sont les deux énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Semaine du lundi 28 mars au vendredi 1er avril pour nos amis cancer. En voilà une. On va aller la chercher. Alors, oh, le trèfle. Un coup de chance, une opportunité qui va peut-être être due à la rencontre de plusieurs personnes ou bien vous allez être aiguillé, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Très joli. Je les mets là. Hop. Voilà, ami cancer. Très, très beau. Alors, voyons voir. Semaine du 22. 8 mars au 1er avril 2022 pour nos amis cancer. À la coupe, nous avons. On va rendre visite. Est-ce que des fois, il ne serait pas question de bouger dans le domaine professionnel pour certains cancers? Pour d'autres, vous allez rendre visite, mais peut-être que cette visite, vous, comment je peux dire, c'est pas vraiment ce que vous avez envie de faire. Pour d'autres, il est peut-être question d'aller de bouger au niveau professionnel. Alors, ça peut être tout simplement un déplacement, une formation. Alors, deux pour voir un peu professionnel. Deux pour les finances. Deux pour le sentimental. Et deux pour le relationnel familial. Bien, alors, professionnel, ah ben regardez, on retrouve notre renard. Donc pour certains, il est bien effectivement question de nouvelle créativité, d'inspiration professionnelle. Donc vous pouvez partir en déplacement, vous pouvez partir en formation, vous pouvez, voilà, vous allez peut-être bouger professionnellement cette semaine. Pour d'autres, ben soyez vigilants qu'il n'y ait pas autour peut-être de vos démarches, peut-être autour de vous, dans vos relations, des gens qui sont un petit peu,
qui triche ou un peu égoïste également. Vous avez des rêves, alors peut-être ne dites pas tout non plus. Gardez-les pour vous. Alors, financièrement. Financièrement, il y a de l'accord, il y a de la signature. Hein. Il y a, on va enfin prendre connaissance de quelque chose, de documents. Et de ce fait, il va y avoir de la signature. Il y a un contrat. Vous allez vous engager financièrement. Ensuite, sentimentalement, ami cancer. Sentimentalement, il y a du succès, dites-moi. Mais alors, il y a aussi de la trahison et du mensonge. Hein. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous, ami cancer, concernant votre succès. On va recouvrir tout ça après. Il y a peut-être aussi que quelque chose de nouveau, une solution. Oui, un certain succès, hein, relationnellement, sentimentalement, qui attire donc de la jalousie. Et relationnellement, oh, c'est magnifique, relationnellement, ami cancer, hein, il y a, on va parler finances, hein, il y a de l'abondance d'amour aussi. C'est peut-être ça qui fait que vous avez de la jalousie autour de vous, ami cancer. Peut-être êtes-vous séducteur, séductrice, hein, on voit ici qu'il y a, au niveau relationnel, il y a de la romance, hein, il y a du bonheur. Beaucoup de l'abondance avec les poissons, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de sentiments et ça occasionne de la jalousie. Hein. Bien, on va recouvrir tout ça, mes amis cancer. Des déplacements de prévu peut-être, amis cancer. Vous me direz si ça vous parle. Peut-être en lien avec des signatures d'ailleurs qui touchent les finances. Alors. Nous avons, nous retrouvons quoi? Oui, une certaine autorité. Ben on nous re... Alors, où c'est le patron pour certains? C'est l'autorité. Peut-être un déplacement avec le patron. Hein, ou alors, on rencontre le patron cette semaine pour demander peut-être une augmentation de salaire, une augmentation de grade. Voilà, on voit très bien qu'il y a l'institution qui est là. Il y a le patron, hein, il y a la force. Certains vont rencontrer des responsables d'entreprise cette semaine, amis cancer. Pour d'autres, si ce n'est pas dans l'activité professionnelle, vous avez fait des démarches auprès d'organismes publics. Ça peut être la CAF, la Sécu, les allocations familiales, une assurance vie ou tout autre. Hein. Et vous avez affaire à quelqu'un en face de vous qui est un petit peu, qui peut être borné, buté. Peut-être que vous allez avoir des soucis à faire comprendre ce que vous souhaitez, d'ailleurs. Ça peut arriver dans certains organismes publics. Hein. On voit que c'est un petit peu difficile cette semaine. Alors, financièrement, très joli, mais ça va dans la continuité puisque de toute façon, il y a un engagement, il y a une signature, il y a des documents qui sont signés, en tout cas, qui sont actés. On va beaucoup en discuter, il y a beaucoup de communication hein, autour de ces finances avec une belle opportunité. C'est quelque chose qui peut arriver d'ici 4 jours à 2 semaines. C'est vraiment un beaucoup de chance. Financièrement, il y a de la signature, hein, mes amis cancer. Alors, sentimentalement, ben, sentimentalement, il y a des nouvelles qui arrivent, effectivement, puisqu'on voit que la solution, elle est là. Le succès, il y a du succès, il y a quelque chose de nouveau qui se profile hein, sentimentalement pour les amis cancer et qui va vous permettre d'avoir l'harmonie, d'avoir une certaine paix. Peut-être pour d'autres, c'est aussi des nouvelles d'une personne plus âgée que vous, autour de vous, hein, sentimentalement, dans les, qui, avec lequel vous avez un... Hein, une certaine relation, bien entendu. Hein. Ça peut être aussi sentimentalement quelque chose qui... des nouvelles d'une personne qui peut être aussi avocat, médecin, un homme officiel aussi. Voilà. Alors, on peut voir aussi, c'est curieux que ce soit dans le sentimental, mais peut-être que certaines personnes ont eu traversé un souci de santé. Et avec, on voit que la solution, les nouvelles vont arriver. Et en fait, ça a été un petit peu peut-être difficile avec ce serpent. Mais on voit très bien qu'il y a une certaine forme tranquille qui revient. La solution, elle est là. Donc, tout rentre dans l'ordre. Pour d'autres, sentimentalement, il est peut-être question de rendre visite à quelqu'un. D'ailleurs, on voit très bien que le succès est là. Et autour de ça, il y a bien de la jalousie sentimentalement. Mes amis cancer, vous avez de la jalousie autour de vous. Hein. Alors attention en rendant visite
à cette personne. Attention à tous les, je veux dire, autour de vous. C'est peut-être vous aussi, hein, qui faites preuve de jalousie. Soyez aussi attention, je veux dire, attention à l'harmonie, hein. Gardez votre harmonie. On peut être jaloux, mais bon, avec modération, comme il dirait l'autre. Relationnellement, alors relationnellement, on voit que c'était très beau, mais, bien sûr, un petit blocage. Alors, sans gravité, puisque de toute façon, il y a du bonheur, on voit que le soleil est là. Alors, vous mettez peut-être quelque chose en place, qui peut être lié d'ailleurs au sentimental. On voit bien qu'il y a de la visite, il y a du mouvement, il y a un certain succès, hein, pour retrouver une belle harmonie, quelque chose qui est stable. On voit très bien qu'il y a beaucoup d'amour, hein. Relationnellement, il y a des belles choses qui se font, des beaux sentiments, du bonheur, de la victoire, belle réussite, mais il y a un petit obstacle. Alors, est-ce qu'on peut essayer de savoir quoi? Qui vous occasionne du stress? On n'est pas beaucoup plus avancé. Alors, c'est peut-être autour de vous, justement, c'est peut-être un ami, c'est peut-être la personne qui vous est chère, qui a un souci, qui a un souci de blocage et de stress, qui peut rencontrer un problème tout simplement, hein. Et comme je disais, c'est peut-être aussi peut-être qu'elle est aussi en ce moment des choses à régler. Cette personne a peut-être des choses à régler aussi officiellement qui expliquent qu'elle est bloquée, qu'il y a du stress, mais elle s'en occupe, hein. Elle s'en occupe, on voit très bien qu'il y a la solution qui est là, les nouvelles vont vite d'ailleurs, hein. Ça peut toucher le domaine financier, hein. Mais il y a beaucoup d'amour. Alors même si il est bloqué, il ou elle est bloqué et il y a du stress, il y a beaucoup d'amour avec sincérité, avec loyauté. Donc, nos problèmes, amis cancer. En plus, n'oubliez pas que vos énergies principales, c'est le trèfle. Et donc, ce coup de chance, hein, cette belle opportunité où vous avez belle connexion, hein. L'étoile, c'est l'espoir, c'est aussi la réussite, hein. Voilà, amis cancer, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci, merci beaucoup pour mes abonnés, de faire grandir ma chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre, à mettre un pouce j'aime, à partager, à activer la cloche pour ne rien louper. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.